Salam alaikum, bonjour. Nous allons, si vous le permettez, dans cette vidéo, continuer à nous intéresser au sujet qui était celui de la précédente, à savoir tourisme et écotourisme. Et pour petit rappel, nous avions commencé donc cette vidéo par nous intéresser à l'étymologie, à la morphologie et même à la genèse du mot tourisme. Nous avions entre autres fait remarquer plutôt que quand un mot finit par le suffixe isme, il y a beaucoup de chances pour que ce soit un isme, et c'est-à-dire donc qu'il véhicule, qu'il soit le véhicule d'une idéologie, ou en tout cas qu'il la définisse. Nous devons préciser que isme, justement, tous les mots qui finissent en isme ne sont pas forcément des ismes et qu'il existe, par exemple, des pratiques sportives comme l'alpinisme, comme l'athlétisme, ou bien des activités professionnelles comme le journalisme, ou même aussi parfois des comportements comme l'altruisme, qui finissent par le suffixe « isme », mais qui ne sont pas à proprement parler des « ismes », c'est-à-dire donc des idéologies, des systèmes idéologiques. Mais n'empêche que si ces mots finissent par le suffixe « isme », c'est parce qu'ils sont animés par une éthique, par une manière de vivre, par une manière de les pratiquer, qui est donc vraiment une éthique et en quelque sorte aussi, qui sont souvent le reflet de certaines idéologies qui les animent en nombre chinoise. Voilà pour cette petite précision. Et donc, nous avions montré que ce tourisme, de par même la manière dont on le définissait, ne pouvait être forcément pas seulement une activité économique, mais aussi une pratique culturelle, pour ne pas dire aussi quelque part une forme de propagande consciente ou inconsciente d'un certain mode de vie. Et si on veut compléter donc cette réflexion, on devrait dire que du tourisme, en fait, ce qu'il faudrait changer, eh bien, c'est l'isme du tour. Pourquoi? Parce que si on revient donc à cette pratique culturelle, celle du tour, donc qui était une manière de voyager, il y avait, alors je précise, le petit tour, quand c'était un voyage à l'intérieur de l'Angleterre, ou bien le grand tour, quand c'était plutôt un voyage à travers l'Europe. Eh bien, cette pratique du tour, donc qui était une pratique aristocratique, elle sous-entend forcément donc une pratique du voyage qui était celle d'une classe sociale qui se plaçait comme différente des autres, qui ne se mélangeait pas, une forme d'entre-soi, et qui forcément arrivait avec la volonté d'imposer et de reproduire donc ses pratiques sociales là où elle va. Et donc, ce tour, ce petit tour, ce grand tour, impliquait forcément pour les autochtones de s'adapter, en fait, à ces pratiques culturelles, à ce mode de vie aristocratique et aussi au fait qu'il n'y avait pas de véritable mélange de relations d'émulation entre ces autochtones qui n'étaient pas aristocrates et ces aristocrates. Et bien donc, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas l'admettre, et bien cet état d'esprit, même quand le tourisme s'est démocratisé, même quand il est devenu un tourisme de masse, accessible à des classes beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins aisées, eh bien, il y a toujours eu cette idée déjà d'associer le tourisme à une forme de loisir, de luxe, déjà, dans un premier temps. Mais aussi, il y a cette idée que souvent, le touriste, quand il vient, c'est quelqu'un qui vient avec un capital d'argent et de temps qui lui permettent d'imposer, en fait, donc de réclamer un service contre son argent et quelque part d'imposer son mode de vie, de vouloir en tout cas reproduire une certaine bulle et puis, comme nous l'avions dit, souvent profiter de ces moments pour consommer un peu plus que d'habitude, pour avoir un mode de vie qui ressemble beaucoup à celui des classes sociales qui lui sont supérieures. Et c'est donc cet esprit du tour, en fait, qui doit absolument changer, là où, en fait,
Dans ce tour, on doit retenir la circularité, mais la circularité ici, pas celle d'une classe sociale qui est dans sa bulle et qui tourne en rond dans son monde, mais celle plutôt de la circularité qui est celle d'une pratique économique, en fait, qui va essayer de placer la gestion des ressources naturelles comme étant celle d'une sobriété efficace, celle d'un respect non seulement des ressources naturelles, mais aussi des pratiques traditionnelles des lieux où ils vont. Et quand on parle donc de tourisme, et quand on essaye justement de le penser autrement, eh bien, et qu'on dit que l'écotourisme est un tourisme qui se place dans la logique du développement durable, eh bien, il faut quand même relever que ce développement durable, il a pour un de ses leitmotifs, de ses slogans, le fameux « penser global, agir local ». Or ici, et plus particulièrement quand il est question de tourisme, eh bien, il va être très difficile de penser le tourisme avec un esprit global et de ne pas soumettre cet esprit à des prérogatives locales. Parce que, quelle est la prérogative numéro un pour nos pays, prérogative économique? Eh bien, c'est le manque d'eau, ou en tout cas le stress hydrique, le fait que la ressource eau dans nos pays du Maghreb en général et en Algérie aussi, malgré tous les efforts qui ont été accomplis par ce pays pour y remédier, eh bien, la gestion de l'eau et son économie, son utilisation efficace est au centre de nos préoccupations économiques. Or, le tourisme tel qu'il est la norme encore aujourd'hui, et vraiment, il est la norme, puisque l'écotourisme, quand on dit que c'est un tourisme alternatif, cela sous-entend forcément qu'il est minoritaire et qu'il n'est en fait qu'un dérivé d'un tourisme qui, lui, est beaucoup plus majoritaire et qui reste une norme. Eh bien, la norme de ce tourisme, c'est qu'en général, les touristes, quand ils vont quelque part, eh bien, ils peuvent consommer jusqu'à 18 fois plus d'eau que les locaux, par exemple. Et aussi, ils peuvent consommer vraiment énormément, beaucoup plus d'eau, excusez-moi, que à leur habitude. Si on prend l'exemple d'un touriste lambda, eh bien, sa consommation, elle peut aller jusqu'à 9 fois plus quand il vient en vacances, et surtout alors s'il se met à faire du golf, avoir des pratiques piscines, s'il veut des hôtels justement avec du gazon dans des régions où l'eau est un véritable problème et surtout où le climat ne le permet pas, sachant en plus que pour une grande partie de ce tourisme, bon, en Algérie, il faut savoir que le tourisme saharien, lui, se déroule en hiver, mais quand il s'agit de tourisme balnéaire, eh bien, il se fait à des moments donc de saison où justement la ressource en eau, c'est là où elle va le plus à manquer. Et donc, quand on va puiser pour répondre à ce service, eh bien, pour répondre, excusez-moi, aux exigences de ce tourisme, eh bien, on va forcément puiser dans les nappes phréatiques et on va forcément en faire baisser le niveau de l'eau et donc contribuer à accentuer la désertification, sans compter aussi qu'il faut penser l'eau de manière virtuelle aussi et comprendre que l'eau, quand on pense au tourisme, eh bien, il ne faut pas seulement penser à l'eau pour boire ou l'eau pour se laver, l'eau pour entretenir les lieux ou même l'eau des piscines, mais il faut penser à toute l'eau qui va être consommée pour produire quoi que ce soit qui va répondre à cet tourisme qui est un tourisme de surconsommation. Et il faut pour le comprendre, par exemple, concevoir qu'il faut aujourd'hui 18 litres d'eau pour produire 1 litre de carburant. Par exemple, même si effectivement il y a une partie de cette eau qui va être consommée ailleurs, puisque par exemple nous ne raffinons pas tout le carburant que nous utilisons ici en Algérie. Mais il faut penser donc à l'eau qui va être utilisée pour la nourriture, l'eau qui va être utilisée pour la construction, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que on peut, par exemple, dire qu'un touriste moyen, quand on parle de l'eau directe qu'il va consommer, elle peut aller donc de, si je ne m'abuse, ça peut aller de 84 litres à 2000 litres, ce qui est déjà énorme. Eh bien, quand on intègre toutes
Donc cette eau virtuelle, eh bien là, ça peut aller de 2000 à 7500 litres par jour et par touriste. Ce qui est énorme et ce qui, dans beaucoup de pays, provoque des injustices et des captations d'eau et qui font que souvent, eh bien, le touriste peut consommer beaucoup plus que 10 fois, jusqu'à 20 fois plus que l'autochtone. C'est ici que l'esprit de Mulodhar doit animer notre tourisme, qu'il soit d'ailleurs un tourisme international ou local, puisque, je le répète, même un touriste local, un touriste par exemple qui vient d'une grande ville, quand il va se déplacer dans un autre lieu, il va arriver avec son capital d'argent et de temps et il va avoir tendance à vouloir imposer à ses autochtones un mode de service qui est celui de ses aspirations sociales et culturelles et qui est celle aujourd'hui du consumérisme. Il faut quand même le concevoir. Eh bien, il faut se dire que donc quand on parle de pensée locale, il faut revenir en fait à justement l'état d'esprit local, à la darologie de l'Algérie et du Maghreb en général, qui a placé pendant très très longtemps donc la gestion de l'eau, la sobriété hydrique et l'efficacité hydrique au centre non seulement des comportements au quotidien, mais même d'une forme d'économie et d'organisation sociale et même d'une certaine morale. Et même dans la morale qui est la plus, on va dire, la plus universelle que l'on va retrouver en Algérie, il faut se rappeler qu'il est dit que tout vient de l'eau. Et ce qui est intéressant quand on parle de darologie, c'est justement de voir que parfois, dans les objets qui affdar, eh bien, on peut comprendre beaucoup de choses sur la nature, l'identité, en fait, d'un pays. Puisque, prenons l'exemple du couscoussier, et vous allez voir où je veux en venir. Couscoussier, qui est un ustensile qu'on va retrouver dans toutes les maisons algériennes, quel que soit l'endroit et quelle que soit l'appartenance ethnique à laquelle ces Algériens veulent se reconnaître, dans laquelle ils veulent se reconnaître, eh bien, ce couscoussier, si on regarde bien le principe même de ce couscoussier, c'est bien celui de la sobriété et de l'efficacité hydrique, puisque c'est un ustensile qui va optimiser en fait l'utilisation de l'eau et prendre donc l'eau en fait du bouillon, s'en servir pour cuire à point de la meilleure des manières la semoule. Eh bien, cet esprit du couscoussier, quitte à vous faire rire, eh bien, est un élément essentiel de notre darologie et il doit forcément animer l'esprit de notre tourisme, qui va être celui donc où nous allons absolument devoir gérer cette prérogative de l'eau et l'imposer, en fait, Mulodhar, chaque Mulodhar doit s'imposer à lui-même déjà cette discipline, mais aussi imposer cette sobriété hydrique aux touristes, aux visiteurs. C'est là où, en fait, nous allons penser local et repenser le global, en fait, avec notre approche locale et nous allons l'appliquer et imposer même, donc, à un touriste de l'étranger, eh bien, de se dire que quand il viendra faire un séjour en Algérie, eh bien, l'Algérie est un pays en stress hydrique et il devra forcément respecter cette prérogative et en tenir compte et donc, peut-être, se priver de certains luxes et d'une consommation donc d'eau qui est quelque part un des fondements du tourisme qu'il vient chercher, eh bien il doit comprendre et accepter en fait cette prérogative et cet état d'esprit. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. Et donc, essayez vraiment de retenir cette idée de l'eau virtuelle, cette idée vraiment que il n'y peut pas y avoir de tourisme digne de ce nom en Algérie et au Maghreb en général sans cette prérogative de l'eau et de la gestion de l'eau. Et nous ne devons absolument pas commettre la même erreur que nos voisins qui ont souvent eh bien, sacrifié d'autres éléments fondamentaux de leur économie, notamment l'agriculture, à des fins de tourisme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.